Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je veux te sentir à moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai, allons à la fontaine de nos amours, nous enivrer du vrai bonheur, tous les jours, Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile reviendrait briller la flamme de l'unité en annonceur d'intimité. Oh, Adonai, Adonai, tu es le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les noms, Adonai. Et Seigneur, coulez en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fou. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur, pour ta fidélité. Merci. Alléluia. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour. Nous laissons le but pour te célébrer dans le roi éternel. Que nous sentons au Seigneur. Nous laissons lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu.
tu remplis les cieux à ton âme. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Salut les bénis, pas bien dans le ciel, nous allons bénir Adonai. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis. On a bénémoine le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce à celui qui nous accorde l'opportunité encore ce soir de pouvoir prier. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons rendre grâce à ces grands rois. Bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa François, Françoise. Bonsoir, ma soeur Marika. Bonsoir, maman Marianne. Bonsoir, ma Janine. Bonsoir, ma soeur Jacqueline. Bonsoir, ma Victoria Anna. Bonsoir, bonsoir, maman Irène. Alléluia, maman Irène. Makalambo, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, maman Abby. Bonsoir. Bonsoir, 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 tout le monde. En tout cas, il y en a qui sont connectés, mais que je ne sais pas. Par comme ça. En tout cas, je vous dis bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces temps ici que nous sommes en train de prier. Bonsoir, ma soeur Aurèle, tu étais caché quelque part. Sois béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour dire merci. Merci au Seigneur, n'est-ce pas, qui nous accorde l'opportunité encore ce soir de pouvoir prier, bien-aimé. C'est une grâce. Élevons nos voix, bien-aimé. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour l'opportunité. Ô éternel, notre Dieu, nous t'élevons à la plus haute place. Allez, bonsoir Joachim, que Dieu te bénisse. Élevons nos voix, sois béni en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Élevons nos voix, bénis le Seigneur. Bénissons le roi de gloire. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous puissants de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel, notre Dieu, pour ton amour. Pour ta bonté, pour ta bienveillance, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire, toi qui nous donnes la vie. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Grand roi, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône, alléluia, sur le trône de Dieu, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel et Dieu tout-puissant pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis abondamment. Voilà, ce soir, nous prions bien-aimés dans le Seigneur pour que nous continuons à prier pour la famille. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? La famille, c'est vraiment la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et la famille, bien-aimés dans le Seigneur, est issue, n'est-ce pas, du mariage. La famille est issue du couple, tel que Dieu avait créé Adam et Ève. Lorsque nous avons la parole de Dieu, bien-aimé, dans Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon. Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'il n'a jamais été dans l'idée d'Adam de chercher une femme. Il n'a jamais été dans l'idée d'Adam. C'est Dieu qui a vu le besoin qui était caché en lui, que lui n'avait pas du tout exprimé, qui était au plus profond de lui, mais lui-même en était pleinement conscient. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui le dit.
je lui ferai. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Lui n'a pas, il n'a jamais été demandeur du mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est Dieu le faiseur de mariage. C'est Dieu le créateur du mariage. Et par le mariage, bien sûr, la famille. Toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom de Dieu. Tel qu'on nous dit les Saintes Écritures dans Éphésiens 3, le verset 15. Donc, bien aimé, la famille, n'est-ce pas, c'est l'affaire de Dieu. Et tout celui qui s'oppose à la famille. Donc, tout celui qui crée la séparation, la fissure dans le couple, dans la famille, il s'attaque au plan de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons dit que le mariage qui est contracté devant Dieu et l'Église par des chrétiens qui sont nés de nouveau, ce mariage-là est indivisible. Donc, un mariage qui est rompu par la nouvelle naissance peut le plus souvent être considéré comme nul et surtout rompu pour infidélité. C'est la parole de Dieu. Donc, l'indivisible étant une dissolution du mariage, entraîne nécessairement la destruction de ce que le mariage avait voulu construire. Tant sur le plan personnel que sur le plan bien-aimé patrimonial, nous cesserons de le dire. Et plusieurs erreurs sont à la base du divorce. Nous avons parlé de l'orgueil et l'égoïsme, les préoccupations personnelles, les intérêts personnels des conjoints, n'est-ce pas bien-aimé? Le poids du passé, l'intimité, n'est-ce pas, du couple qui commence à s'effriter, l'influence des familles de part et d'autre. Et bien sûr, le problème de procréation, une grossesse tardive, peut pousser, n'est-ce pas, les couples à être secoués par la séparation. La grossesse non programmée, une grossesse précoce aussi. Dit non, mais pour moi, s'il fallait 2 ans, 3 ans, se stabilise, et puis bon, non, allez, va enlever l'enveloppe, n'en fais pas, et puis bon, ça peut créer des problèmes. Donc, une naissance indésirable de l'enfant, le sexe de l'enfant peut poser lorsqu'un enfant a un handicap dans la famille. Une autre raison, bien aimé, ça peut être le décès d'un enfant. Tout comme aussi, bien aimé, la désobéissance au principe de Dieu concernant le couple. L'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair et la femme respecter son mari. Si ce principe, bien aimé, on a la désobéissance, c'est comme un mode d'emploi. Il y aura un problème. Manipulation dans les couples. Le besoin de contrôler l'autre par différents moyens. Le fait de vouloir imposer ses décisions à l'autre. Le besoin, bien aimé, de façonner l'autre. Selon sa vision ou selon les modèles familial. L'argent. Mais il y a une autre cause, bien aimé. Ça, c'est la cause, n'est-ce pas, bien aimé, qui vient de l'intérieur. Endogène, exogène, qui vient de l'extérieur. Maintenant, c'est l'ennemi qui peut attaquer le mariage. Nous avons prévenu pour ceux qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire le problème, c'est le couple, l'époux, les époux qui sont à la base. Mais ça peut venir, bien aimé dans le Seigneur, de l'extérieur, l'ennemi. L'extérieur, ici, c'est l'ennemi. Ça peut être l'environnement, n'est-ce pas? Les amis, les collègues du travail. Mais l'extérieur dont je parle ici, bien aimé, c'est l'ennemi Satan, le diable. Il utilise parfois notre environnement immédiat, nos amis, avoir fréquenté les mauvais amis, l'ennemi peut les utiliser. Ce sont des aéroports, là où l'ennemi descend, n'est-ce pas, pour détruire les couples. Lorsqu'on a une mauvaise compagnie, ça peut pousser à des divorces et autres. C'est pourquoi il faut faire très attention, bien entendu, avec tous ces gens que nous avons comme amis. Ça peut détruire. Et dans la volonté de Dieu, bien entendu, il n'a jamais été question
ce que nous lisons dans Genèse 2, verset 13. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu, il n'a jamais imaginé le divorce. Et lorsqu'ils ont eu le problème, le péché est entré. Le divorce même est entré. C'est à cause du péché que le divorce est entré. Ils pouvaient se séparer. Or, dans la volonté de Dieu, dans Marc 10, le verset 9, l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. 1 Corinthiens 7, le verset 10 nous dit quoi? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et Dieu dit, bien-aimé, qu'il ait la répudiation. Dans Malachie 14, il dit, je vous le dis, vous dites, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit. C'est, on parle bien d'Abraham. Abraham. Il dit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc, notre prière de ce soir, c'est vraiment détruire, n'est-ce pas, bien-aimé, l'esprit des divorces sponsorisés par l'ennemi. L'ennemi peut secouer des couples. En passant par personne interposée. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans la famille de Job. L'ennemi est passé par des gens pour détruire les enfants de Job. Pour détruire les biens matériels de Job. Il a utilisé la maladie, bien aimé, pour détruire la santé de Job. Le problème, c'était quoi, bien aimé? Séparer Job de sa femme. Et nous voyons le verset 9 dans Job 2, la femme dit clairement, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Donc j'en ai marre de ce mariage. J'en ai marre. Comment puis-je vivre avec un homme qui est malade? C'est lui avec qui on doit se soigner dans les moments difficiles. Nous venons d'être les enfants. Mais pourquoi dois-tu demeurer ferme dans ton intégrité? Et Job lui répond, femme insensée, nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. Pourquoi tu veux seulement recevoir le bien? Et le mal, tu ne l'acceptes pas. Peut-être ça peut t'arriver que le mal, c'est toi qui as commis l'erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, avec ses esprits malins, bien-aimé dans le Seigneur, travaille jour et nuit pour s'opposer au mariage. Parce que c'est une institution divine. Satan, on l'appelle bien-aimé, l'ennemi, l'opposant, celui qui s'oppose. Et donc, nous avons la responsabilité de faire très attention, de prier pour les couples qui passent par, par le divorce, la séparation, de prier pour les familles, bien-aimées, qui sont fissurées, de prier pour les familles qui sont secouées par cet esprit de divorce. Parce que Satan, c'est un méchant. Jean 10:10 nous dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. La parole de Dieu est claire, bien aimé, sur ce point-là. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. À quoi devons-nous encore nous attendre, bien aimé, dans le Seigneur? Lorsque les voleurs entrent dans la bergerie, bien aimé, c'est pour détruire carrément. Je dis bien, c'est pour détruire carrément. Lorsque les voleurs entrent dans la bergerie, viennent dans le Seigneur, c'est pour détruire. Je vous assure. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je dis bien, voler, égorger et détruire. C'est ça, en fait, le rôle du diable, viennent dans le Seigneur. Voler, égorger et détruire. Mais le Seigneur nous dit quoi?
Et moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, en abondance. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Donc, quand il vient dans un... Il n'a qu'un seul, c'est de détruire, séparer, tuer le mariage, détruire le mariage, séparer les gens. C'est pourquoi nous avons, bien aimé, la responsabilité de pouvoir prier. Et bien, c'est une responsabilité que nous avons, bien aimé, dans le Seigneur, de pouvoir prier. Nous lever contre, bien aimé, dans le Seigneur, le plan du diable contre la famille. Satan n'aime pas la famille parce que la famille, bien aimée, c'est l'œuvre de Dieu. Le mariage est une institution divine qu'on ne peut rompre à volonté et à la légère, sans encourir de graves dangers, car on s'oppose au plan de Dieu. Et Satan veut pousser les hommes, mais les couples, les à s'opposer à la volonté de Dieu en se séparant. C'est pourquoi, bien aimé, tous les efforts doivent être entrepris, n'est-ce pas, pour la réconciliation même, parfois en cas d'infidélité. Nous avons la responsabilité de prier parce que, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, l'orgueil, l'égoïsme pousse les gens à ne pas prendre conscience, comme je vous ai dit parfois. L'homme ne voit même pas les enfants. Comment cet homme, cette femme peut laisser 3 enfants, bien aimé? Vous laissez 3 petites fillettes innocentes. Vous abandonnez et vous allez prendre quelqu'un d'autre à qui vous dit que non, je trouvais l'amour de ma vie. Et ces enfants, bien aimé, restent sans mère, souffrant avec leur père, et surtout en Europe, c'est compliqué, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et la mère dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Et ses enfants, tu les as mis bien, pour la mort ou pour la vie. Bien-aimé, je pense ce soir, nous devons prier. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'homme, mais Satan, bien-aimé, tient aussi à séparer, comme dans les cas de Job. Il a attaqué, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Cette famille-là, il a attaqué. Il a attaqué le couple. Nous avons la responsabilité de prier, bien-aimés. Nous devons d'abord lever nos voix, bien-aimés, pour bénir Dieu qui est l'auteur du mariage. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons Dieu qui est l'auteur du mariage. Dis, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi l'auteur du mariage. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi l'auteur du mariage. C'est toi l'auteur de la famille. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te rendre grâce. Bien-aimé, élevons nos voix. Rendons grâce, n'est-ce pas, bien-aimé, à l'auteur du mariage. Élevons nos voix, bien-aimé. Rendons grâce à l'auteur du mariage. Notre Seigneur et notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que c'est toi l'auteur du mariage. C'est toi l'auteur de la famille. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Toi qui es assis sur ton trône éternel. Toi qui vis et qui règne à jamais. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Bien-aimé, nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Seigneur, bien-aimé, pour les mauvaises alliances sur lesquelles parfois certains couples ont été bâtis, qui ont été finalement les mauvais fondements, bien-aimé, se permet, n'est-ce pas, bien-aimé, de faire chambouler le mariage. Si le mariage a été bâti, bien aimé, sur le mensonge, le mariage a été bâti sur l'escroquerie, le mariage, bien aimé, dans le Seigneur, a été bâti sur les intérêts personnels. Le fondement n'est pas bon. Attends, bien aimé, va mener la tempête pour secouer ces couples-là. Nous allons demander, bien aimé, que Dieu pardonne le mauvais fondement, que Dieu pardonne le couple pour les mauvais fondements. Alléluia. C'est un Dieu de pardon, bien aimé. Nous voulons que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu protège les couples, que Dieu restaure les couples qui ont été, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, auteur, n'est-ce pas, de l'esprit de divorce. Et cet esprit qui est en train de secouer encore d'autres couples. Bien-aimé, nous avons la responsabilité de prier. Élevons nos voix, bien-aimé, pour la grâce et la miséricorde de notre Seigneur et notre Dieu. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur.
Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Notre Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne, grand roi de l'univers, les mauvaises et autres alliances sur lesquelles certains couples ont été bâtis. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Tu es le Dieu de pardon éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Pardon, tendre Père, les couples qui ont bâti, notre Dieu, leur alliance sur le mensonge, leur alliance sur des choses qui ne te glorifient pas. Tendre Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre. Merci d'étendre ta main. Merci d'étendre ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Merci, grand roi. Bien-aimés, nous allons demander pardon pour les mauvais choix. Dans les couples, bien-aimés, parfois, les résultats, c'est à cause de mauvais choix, bien-aimés dans le Seigneur. Un mauvais casting. Ce n'est pas la personne que Dieu vous a destinée. Vous avez porté une autre chaussure. Soit la chaussure est trop grande, c'est une grosse pointure, soit elle est petite et ça te fait mal. Et à un moment, on l'enlève. Et quand c'est grand, bien-aimés, on a honte à un certain moment. Bon, on ne se sent pas à l'aise là-dedans, mais on enlève aussi. Le mauvais casting, nous allons demander pardon au Seigneur. Certains couples ont été victimes d'un mauvais casting. Ce n'est pas que c'est Satan, le damné, ce sont eux-mêmes. Mais l'ennemi peut en profiter à ce moment-là. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Dès lors que la porte lui est laissée ouverte, il va profiter par la bénédiction pour détruire. Nous allons dire, Seigneur, pardonne le mauvais choix qui ont été opérés dans les couples. Seigneur, pardonne, nous implorons ton pardon. Parfois, bien-aimés, certains choix n'ont pas été opérés par les couples. C'est des choix qui ont été opérés, influencés parfois par les amis, par les parents, par l'environnement. Parce que les gens disent, il est bien, il est beau, il est gentil, franchement. Vous allez, quand on vous regarde comme ça, ça donne bien. Et ce n'est pas un problème de ça donne bien. Ça va donner bien aux yeux des gens, mais ça va donner mal quand vous serez deux à l'intérieur. C'est comme une pointure, bien-aimée. Quand on la regarde avec le haut, ça te va très bien. Tu la mets, oh, ça te va très bien. Mais peut-être plus tard, tu te rends compte que, bien-aimée, ça commence à te faire mal. Il m'est arrivé un jour, j'ai porté une belle chaussure, bien-aimée. Nous sommes allés à la fête. Je vous dis que ça allait très bien. Mais à la fête, j'étais assis. Je vous dis, ça commençait à me serrer. Donc, j'ai senti la douleur jusqu'au niveau du cœur. J'avais envie de terminer la fête vite. Retourner, bien-aimée, enlever la chaussure. Pas possible. Pas possible. Aller dans la rue, l'enlever, puis respirer au pied. Et puis tu es en train de réfléchir comment retourner encore dans la salle. Parce que tu ne vas pas retourner pieds nus. C'est comme ça, bien-aimés, certaines personnes vivent. Mauvais casting. Les gens voient que ce beau, il t'influence, tu achètes et tu prends. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Nous allons demander pardon pour les mauvais choix, bien-aimés. Les mauvais castings. Parfois, on a été influencé par les parents. Parfois, ce n'est même pas ton choix. Toi, tu n'as pas choisi. Mais c'est les parents qui disent c'est ça ou rien. Donc, tu obéis aux parents. Il y en a qui ont été victimes, bien parfois, des parents, victimes de l'entourage. Ce n'était pas réellement. Ils ont été influencés dans ce choix-là. Mais au plus profond d'eux, ce n'était pas ça. Nous allons, bien aimé, demander pardon, Seigneur. Les mauvais castings. Implorer la miséricorde de Dieu, bien pour ceux-là qui se sont laissés influencer, ils ont été victimes. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons à implorer la miséricorde, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, demandons pardon, Seigneur. Implorons la miséricorde. Notre Dieu, nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde à cause des mauvais choix qui ont été opérés à propos, éternel, notre Dieu, de couple, du mariage. Seigneur, parfois, les hommes ont laissé les choses, Seigneur, notre Dieu, comme si, alléluia, ça dépendait d'eux. Mais pourtant, dans le choix du mariage, ça dépend de toi seul. C'est toi le maître. Tu connais toutes choses. Nous sommes là ce soir pour implorer ta miséricorde. Nous sommes là ce soir pour te demander pardon, éternel notre Dieu. Pardonne, tendre Père. Pardonne nos vies. Pardonne nos familles. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de grâce. Notre Seigneur et notre Dieu, souviens-toi que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Là où le couple, il y a des erreurs dans le couple. Nous venons te demander pardon, éternel notre Dieu. Pardonne tous ces couples qui ont été victimes, Seigneur notre Dieu. Victimes de leur entourage. Victimes des parents. Seigneur notre Dieu, ou victimes de l'environnement dans lequel ils vivaient, ils se sont laissés influencer. Tendre Père, ou victimes des amis, nous te demandons pardon. Ou victimes, tendre Père, de la culture, victimes, tendre Père,
de leur propre convoitise. Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos frères, pardonne nos sœurs, éternel notre Dieu, pour avoir fait les mauvais choix. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, pardonne ton peuple, au puissant Jésus-Christ. Merci pour le pardon. Merci, grand roi de l'univers. Pardonne tes enfants, pardonne ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, ton règne et ton autorité, et nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur, gloire et louange à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire dans nos vies. Nous te demandons pardon éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons demander, n'est-ce pas, au Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier pour briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les malédictions générationnelles qui pèsent sur les couples. Bien-aimés, certains couples sont victimes, n'est-ce pas, bien-aimés, de malédictions générationnelles, sont victimes, bien-aimés, des paroles qui ont été prononcées. Dans la famille, il y a des divorces, 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 divorces. Il y a des gens qui sont victimes, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir, bien-aimés. Nous allons briser les malédictions générationnelles des divorces, des séparations. Nous allons briser les malédictions générationnelles des divorces, des séparations, au puissant de Jésus. Nous refusons que ça s'épique de génération en génération, bien-aimés. Séparation, les tantes ont divorcé, bien-aimés dans le Seigneur. Les grands-parents, il y a eu des divorces. Dans ces, chaque génération a toujours des divorces. Nous allons, bien-aimés, briser la malédiction générationnelle des divorces et des séparations, au puissant de Jésus. Malédiction héréditaire. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce et de la faveur. Nous venons briser toute malédiction générationnelle, des divorces, des séparations, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Nous brisons ces malédictions générationnelles, des divorces et des séparations. Proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Nous venons briser les malédictions générationnelles des générations, alléluia, des séparations, des divorces, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Que les divorces qui pèsent sur le couple, sur les familles de notre Dieu, sur le mariage, que les divorces de notre Dieu aux malédictions générationnelles soient brisés au nom de Jésus. Que les divorces de Dieu aux malédictions, c'est notre Dieu héréditaire. Même les couples qui sont menacés à cause des malédictions héréditaires, nous brisons ces malédictions héréditaires au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever contre l'homme fort. L'homme fort qui paie, qui règne sur la fin, bien-aimés, pour faire respecter, bien-aimés. D'abord, alléluia. Lier l'homme fort. Alléluia. L'homme fort qui règne, n'est-ce pas, bien-aimés, l'homme fort qui règne sur les femmes pour imposer le divorce. Nous allons lier Satan, le diable, et tous ces agents qui sont là, bien-aimés, pour imposer, pour faire respecter, pour imposer le divorce, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour sponsoriser les divorces dans les mariages, dans les couples, bien-aimés. Nous allons lier le diable et ses démons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, qui s'opposent, n'est-ce pas, bien-aimés, au mariage au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés, lions Satan le diable. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous nous étions contre Satan le diable et tous ses agents, nos puissants de Jésus. Nous lions Satan le diable, ses agents, démoniaques. Nous proclamons la vie de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Satan, nous te lions. Nous lions l'homme fort. Nous lions l'homme fort. L'homme fort qui s'oppose au mariage dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Nous lions l'homme fort. L'homme fort qui s'oppose au mariage. Nous les lions. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Les dieux de faveur. Nous nous dressons contre l'homme fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme fort qui veut
qui imposent le divorce, qui l'homme fort qui s'élève contre le mariage. Dans nos familles, nous lions l'homme fort, nous lions l'homme fort qui s'oppose voilà, dans les familles. L'homme fort, c'est notre Dieu. Alléluia, qui amène le divorce. D'entre nous lions l'homme fort et tous ses agents. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions Satan, le diable. Nous lions le diable qui se dresse contre les divorces, qui se dresse pour semer le divorce dans les familles. Nous lions Satan, le diable, qui se dresse contre le mariage dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés le Seigneur, nous allons nous lever contre les activités démoniaques, n'est-ce pas, bien-aimés? Alléluia. Contre, n'est-ce pas, les mariages. Les activités démoniaques pour sponsoriser les mariages dans les couples, pour sponsoriser, bien-aimés, les divorces dans les couples. Nous allons briser, bien-aimés, nous lever contre les activités démoniaques au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, lèvons-nous contre les activités démoniaques, n'est-ce pas, pour sponsoriser les divorces dans les couples, dans le mariage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Comment ça prie? Ce temps de paix, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre les activités démoniaques qui sponsorisent l'éternel, notre Dieu, qui sponsorisent les divorces dans le mariage, les divorces dans les familles. Nous nous dressons, temps de paix, contre ces esprits au nom puissant de Jésus. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité. Nous lions, c'est notre Dieu, nous lions les démons, nous lions les démons qui sponsorisent tendre père, les divorces dans les couples, dans les familles. Nous lions les démons, nos puissants de Jésus, et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les démons soient neutralisés, que les démons soient paralysés dans leurs activités, dans leurs œuvres, au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre père, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu de vie, éternel notre Dieu, nous nous lèvons contre tendre Père, alléluia, éternel notre Dieu, les démons, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons annuler, n'est-ce pas, les décrets de divorce. Il a été écrit, n'est-ce pas, dans votre femme, bien-aimée, il n'y aura pas de mariage. Donc quand quelqu'un se marie, bien-aimés dans le Seigneur, soit la mort. Soit le divorce, soit la mort. Soit elle va devenir veuve, ou il va devenir veuf. Parce qu'ils ont déclaré que dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Donc, quelqu'un qui va enfreindre à la loi, eh bien, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais nous allons prier, bien dans le Seigneur. Nous avons, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous allons nous lever, bien aimé dans le Seigneur, pour briser les décrets, les condamnations au divorce. Les condamnations à la séparation, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les mariages. Dans les familles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons briser les condamnations, n'est-ce pas, bien-aimés, au divorce, à la séparation. Nous allons proclamer trois fois, bien-aimés, Jésus est vainqueur. Alléluia. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Faveur, éternel notre Dieu, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous détruisons, grand roi de l'univers. Nous détruisons tous les décrets maléfiques. Les décrets maléfiques, alléluia, qui sponsorisent tendre paix les divorces. Nous nous lèvons contre les condamnations qui pèsent sur nos familles. Je me dresse contre les condamnations qui pèsent sur ma famille. Les condamnations qui pèsent, éternel notre Dieu, alléluia, sur les mariages dans ma famille. Je viens briser toutes les condamnations maléfiques, les condamnations démoniaques. Je brise les condamnations occultes qui pèsent sur la famille concernant le mariage. Je brise toutes ces condamnations. Les condamnations au divorce, je les déclare sans effet. Les décrets tendre père, les décrets instituant les divorces dans nos familles, tendre père, que ces décrets soient annulés. Je les annule, quels que soient les archives, par le sang de Jésus. Je viens annuler tous les décrets de divorce, tous les décrets de séparation. Je les annule, les décrets de veuvage. Tendre père, j'annule ces décrets par le sang de Jésus, par le sang de la Nouvelle Alliance, par le sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que ces décrets, tendre Père, soient annulés, que ces décrets soient annulés, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité,
les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Seigneur, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos familles, que tu t'élèves dans les moindres détails. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous proclamons ta victoire. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Tendre Père, que tous ces décrets soient annulés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tendre Père, il n'y a aucune condamnation. J'annule toutes ces condamnations par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, pour lier les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Ces esprits, bien-aimés, bien avec les divorces. Nous allons lier les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Ces esprits qui tourmentent les gens, bien-aimés, dans le rêve. Nous allons briser, bien-aimés, annuler même les divorces dans le rêve de séparation, le rêve de divorce. Mais nous allons annuler, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, même dans le rêve. Alors, proclamons trois fois, Jésus est vainqueur, 1, 2, 3. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire. Nous t'élevons à la plus haute place, nous proclamons ton règne, nous proclamons ton autorité. Merci, grand roi de l'univers, merci, puissant de Jacob. Nous t'élevons à la plus haute place, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Nous nous lèvons, tendre Père, contre les autorités, les principautés. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre nous lions les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit. Nous lions ces esprits, nous neutralisons ces esprits. Que ces esprits soient brisés, que ces esprits soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta fidélité au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux fidèles. Que tu t'élèves, éternel des armées. Lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous t'élèvons à la plus haute place et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous lions les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit qui tourmentent les vies des gens, tendre Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je lis les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits soient neutralisés, que ces esprits soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revient. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons nous lever, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Contre la puissance de la sorcellerie. Nous allons briser les œuvres de la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Qui n'est-ce pas, bien-aimé? Qui sont à la base de certains divorces, qui secouent, bien-aimé, parfois certains couples, la sorcellerie. Nous allons nous dresser contre la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Bien-aimé, nous allons proclamer trois fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre les œuvres de la sorcellerie. Éternel Dieu, nous brisons la sorcellerie. Tendre Père, la sorcellerie qui attaque les familles, qui attaque les couples. Nous brisons la sorcellerie. C'est notre Dieu, alléluia, qui sponsorise les divorces. Nous nous dressons contre les œuvres de la sorcellerie, qui sponsorise les divorces. Et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire, ton règne et ton autorité. Je brise les œuvres de la sorcellerie, de l'occultisme, au nom puissant de Jésus. Je proclame ton règne et ton autorité. Je proclame ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Merci, éternel des armées, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié.
notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta grâce. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les œuvres de la sorcellerie. Je proclame le règne de l'autorité. Alléluia du Saint-Esprit dans les familles, dans les couples, dans le mariage. Au nom puissant de Jésus, je brise la sorcellerie et toutes ses manifestations. Je brise la sorcellerie et toutes ses œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie qui attaquent les mariages, qui attaquent les couples, qui attaquent, c'est notre Dieu, qui attaquent les familles. Alléluia, pour semer la séparation, pour semer les fissures. Nous brisons tendre vers les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Et nous allons briser l'esprit de destruction. Alléluia. Nous allons briser l'esprit de destruction des couples et des familles. Au nom puissant de Jésus. Nous allons bien aimer briser l'esprit de destruction. L'esprit de destruction maléfique. Alléluia. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre l'esprit de destruction maléfique. Alléluia. Les œuvres de destructives de Satan, le diable. Nous brisons, tendre Père, l'esprit de destruction des couples, l'esprit de destruction des mariages. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de le Père. Tu y es le Dieu de victoire. Tu y es le Dieu de grâce. Tu y es le Dieu de faveur. Que tu t'élèves dans les couples, dans le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous brisons l'esprit de destruction des couples et des mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Nous brisons l'esprit de destruction des couples, l'esprit de destruction des mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines familles bien-aimées, lorsqu'on avait prévu, n'est-ce pas, le divorce et que les gens n'arrivent pas à divorcer carrément, on amène la mort. Nous allons briser l'esprit de mort qui pèse sur le couple et sur les familles. Nous allons briser l'esprit de mort qui pèse sur le couple et sur le mariage, sur la famille. Nous allons détruire la puissance de la mort. Alléluia. La mort sponsorisée bien-aimée par Satan le diable. La mort sponsorisée par les puissants de l'occultisme et de la sorcellerie et autres. Nous allons lever bien-aimée contre la mort. La mort prématurée, bien-aimé, la mort prématurée des couples, la mort prématurée des mariages, la mort prématurée des familles. Nous allons briser, bien-aimé, l'esprit des morts. Nous allons briser prématuré. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, avec tendre père, tu es le vainqueur de Golgotha. Jésus, c'est toi le vainqueur. Nous nous dressons contre la mort prématurée. Au nom puissant de Jésus, nous venons briser la puissance de la mort. Nous venons briser la mort prématurée et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons la mort prématurée. Nous brisons l'esprit des morts. Alléluia. Alléluia, au nom puissant de Jésus, la mort qui pèse sur les couples, la mort qui pèse sur le mariage, la mort qui pèse sur le famille, nous brisons l'esprit des morts, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie de Dieu Zoé, nous proclamons la vie de Dieu Zoé, que l'esprit des morts soit neutralisé, que l'esprit des morts soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia, éternel notre Dieu, merci. Seigneur notre Dieu, merci. Oh robo yakaraba yoko robo shikababa. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons déprogrammer, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons déprogrammer tout le plan du diable pour séparer, pour amener les divorces. Parfois, bienvenue, vos enfants, vous ne savez pas. Satan a déjà planifié les divorces, mais vous n'êtes pas conscient, bienvenue. Nous allons déprogrammer tout le plan de divorce, de séparation dans nos vies. Satan avait planifié, bienvenue dans le Seigneur. Dieu pose la question à Satan, d'où vient de parcourir la terre, de m'y promener. As-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Tu l'as protégé. Ça veut dire quoi? J'ai cherché à détruire cette famille-là. J'ai cherché à détruire ce couple-là. Mais tu l'as protégé. Donc, il avait déjà programmé. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il avait déjà programmé de détruire la famille de Job. Nous allons briser, mais nous allons déprogrammer tout ce que Satan a planifié contre les mariages, contre les couples, contre les familles, contre ta vie. Tu vas déprogrammer tout le plan maléfique, tout le plan satanique, tout le plan de sorcier, tout le plan même des hommes méchants. Tu vas déprogrammer ça. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Proclamons, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus est Seigneur, 1, 2, 3.
Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est ce temps de paix, nous élevons nos voix vers toi. Je viens déprogrammer les divorces, je déprogramme la séparation, tendre Père, dans ma famille, la séparation dans mon couple, dans mon mariage, je déprogramme la séparation dans la famille, dans le couple de mon frère, dans la famille de mon frère, dans la vie de mon frère, dans le futur couple, je viens déprogrammer la séparation, je déprogramme tendre Père les divorces, au nom puissant de Jésus Christ, je viens déprogrammer les divorces, tendre Père, merci, merci pour ta victoire. Que le divorce soit déprogrammé au nom puissant de Jésus Christ. Nous déprogrammons le divorce. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus Christ, nous déprogrammons le divorce. Nous déprogrammons le divorce qui a été planifié par Satan, le diable, qui a été planifié par les sorciers, les occultistes et les magiciens. Nous déprogrammons le divorce au nom puissant de Jésus Christ. Que tout le plan des magiciens, tout le plan des sorciers, tout le plan des occultistes pour créer le divorce, tendre Père, tout ce qu'ils ont fait soit néanti au nom puissant de Jésus, soit déprogrammé. Nous déclarons nul et non avenu. Tout le plan conçu contre les mariages, contre tendre Père, les couples, nous déprogrammons tout ce qui a été conçu comme plan maléfique au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce et de victoire. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier pour les cœurs, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia! N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prier pour les cœurs. Que Dieu touche les cœurs, que Dieu ramène les cœurs, que Dieu ramène son amour dans les cœurs de ceux-là dont on a volé l'amour, qui ont planifié, n'est-ce pas, de divorcer, bien-aimé. Nous allons prier que Dieu ramène l'amour dans les cœurs des hommes et des femmes. Alléluia! Dans les mariages, dans les couples, que Dieu ramène son amour et sa crainte. Au nom puissant, que le Saint-Esprit amène l'amour de Dieu dans les cœurs. Que les hommes, bien-aimés, n'est-ce pas, reviennent à l'amour, pensent à l'amour de Dieu. Ceux qui veulent divorcer, bien-aimés, pensent, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, à Dieu d'abord, à la crainte de Dieu. Qu'ils aient la crainte de Dieu, que Dieu ramène l'amour et sa crainte dans les cœurs des hommes. Job, bien-aimé, craignait Dieu. Il craignait Dieu. Vous allez lever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Seigneur, alléluia. Remplis les cœurs des hommes et des femmes dans les couples de ton amour, Seigneur notre Dieu. Que tu mets dans les cœurs des hommes la crainte de ton nom, Seigneur. Que les gens aient la peur, n'est-ce pas, bien-aimé, Seigneur notre Dieu, de se séparer. Il y en a parfois, bien-aimé, qui ne veulent pas, mais l'autre veut. Parfois, c'est difficile de l'empêcher. Mais nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, que Dieu remplisse son amour, n'est-ce pas, dans les cœurs des gens. Là où on a volé l'amour, bien-aimé, que Dieu ramène l'amour. Là où les gens disent, on est là, j'attends seulement qu'on se dise, que Dieu ramène l'amour, si telle est sa volonté. Élevons nos voix, bien-aimés. Comment ça peut, n'est-ce pas, bien-aimés? Que Dieu ramène l'amour dans les cœurs, n'est-ce pas, des uns des autres. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Là où dans les cœurs, là où on a volé l'amour, tendre Père, nous prions que tu ramènes l'amour dans les cœurs de toutes les personnes qui sont au bord du divorce, de toutes les personnes, tendre Père, ou qui ont déjà divorcé peut-être, mais telle n'était pas ta volonté, éternel notre Dieu. Que tu ramènes l'amour dans les cœurs, ramènes l'amour dans les cœurs, ton amour éternel notre Dieu. Seigneur, touche les cœurs des hommes. Touche les cœurs des femmes, ramène ton amour dans les cœurs, qu'ils reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de paix. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci, c'est notre Dieu. Tendre Père, merci. Nous allons, bien aimé, que Dieu protège, n'est-ce pas, bien aimé, les couples, les mariages, les familles, des influences extérieures. Des hommes, tout comme les influences extérieures maléfiques, que Dieu protège de toutes les influences mauvaises, ce qui peut influencer, bien aimé, le couple au divorce. Que Dieu protège, nous allons demander la protection de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu protège les couples, que Dieu protège les familles, que Dieu protège les mariages dans le sang de Jésus-Christ contre les influences extérieures, contre, bien aimé, dans le Seigneur, la destruction, bien aimé, dans le Seigneur, l'ennemi. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix. Maintenant, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la grâce et de la faveur. Éternel notre Dieu, protège les familles. Protège les familles contre tendre Père. Les influences extérieures. Les influences des hommes méchants. Alléluia. Les influences extérieures, tendre Père. Des esprits manodémoniaques. Protège les familles contre toute forme de mauvaises influences. Au nom puissant
de Jésus, protège les familles dans le sang de Jésus. Nous demandons la couverture éternelle, notre Dieu, la couverture du sang qui a été versé à Golgotha, la couverture du sang de la nouvelle alliance, la couverture du sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que les familles soient sous la couverture du sang de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, maître du ciel et de la terre. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bénémoine. Alléluia. Nous allons prier, mais que Dieu délivre nos familles. Que Dieu, n'est-ce pas, bénémoine, délivre les couples, n'est-ce pas, bénémoine, qui sont sous l'influence, n'est-ce pas, bénémoine, dans le Seigneur, sous l'influence maléfique, n'est-ce pas. Alléluia. Qui sont sous l'influence, mais que Dieu délivre toutes ces familles, mais qui sont menacées par les divorces. Que Dieu, n'est-ce pas, délivre toutes ces familles, dans le Seigneur, qui sont en divorce, mais dont ce n'était pas c'est la volonté du diable. Bien-aimés, nous allons arracher ces familles-là, bien-aimés, entre les mains du diable. Nous allons arracher ces couples entre les mains. Que Dieu ramène ces couples, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu réunisse ces couples, bien-aimés. Nous allons arracher les couples, bien-aimés, qui sont, n'est-ce pas, bien-aimés, séparés à cause de l'œuvre du diable. Nous allons les arracher, bien-aimés, des affres du diable. Nous allons les délier, bien-aimés, dans le Seigneur. Le délier, bien évidemment, nous allons délier ces couples, bien évidemment. Des liens, n'est-ce pas, des liens familiaux. Nous allons délier ces couples au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien, nous allons proclamer trois fois, n'est-ce pas, Jésus. Nous allons libérer ces couples. Nous allons proclamer leur libération, leur délivrance au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi pour proclamer ta victoire dans tous ces couples qui sont séparés ou ces couples qui sont menacés. Nous proclamons la libération, la délivrance au nom puissant de Jésus. Délivre, éternel, notre Dieu. Délivre, éternel, notre Dieu. Les couples séparés, les couples sous l'emprise du diable, les couples qui sont menacés de divorce, délivre-le. Les couples qui sont sous l'emprise, c'est notre des esprits familiers, délivre ces couples au nom puissant de Jésus. Nous réclamons tendre paix, nous réclamons ces couples, les couples qui sont sous l'emprise satanique, nous réclamons ces couples, nous réclamons les hommes qui sont sous l'emprise satanique, au nom puissant de Jésus. Nous réclamons les femmes qui sont sous l'emprise maléfique, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Dieu tout-puissant, merci. Délivre toutes ces familles qui sont menacées de divorce. Tant au Père, délivre toutes ces familles qui sont déjà divorcées, mais dont ce n'était pas ta volonté. C'était, c'est notre Dieu, alléluia, la volonté du diable. Délivre ces familles. Nous proclamons les libérations. Tendre Père, ramène la vie dans ces familles, ramène la vie éternelle, notre Dieu, restaure tendre Père, restaure le couple divorcé, alléluia, donc ce n'était pas du tout ta volonté, restaure le couple divorcé, tendre Père, alléluia, sous ces notre Dieu, alléluia, Rokobo Yakarama, délivre tous ces couples divorcés, délivre tendre Père, délivre ces mariages sous perfusion satanique ou diabolique, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la délivrance, libère tendre Père, libère ces couples tendre Père, dont le divorce est sponsorisé par le diable, le divorce est sponsorisé par la sorcellerie, l'occultisme et la magie, au nom puissant de les maraboutages. Tendre Père, libère tous ces hommes, éternel notre Dieu, qui ont été arrachés, alléluia, des forces par les puissants de maraboutage, par les puissants de fétiches. Libère ces hommes, libère toutes ces femmes qui ont été, tendre Père, arrachées, alléluia, par les maraboutages, les fétiches, au nom puissant, libère-le, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia, bien-aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons bien aimer prier pour maman Alphonsine, n'est-ce pas? Alléluia, qui est malade. Nous allons prier, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu la touche, que Dieu la libère. Bien aimé, prions pour maman Alphonsine. Élevons nos voix, n'est-ce pas, pour maman Alphonsine. Tendre Père, nous élevons nos voix. Mais nous proclamons ta victoire dans la vie de maman Alphonsine. Nous proclamons ta victoire, éternel notre Dieu. Souviens-toi de maman Alphonsine, tendre Père. Merci de la toucher dans son corps, dans son être tout entier. L'éternel Dieu qui guérit, c'est toi le Dieu de la guérison. Dieu capable de guérir, capable de guérir, capable de libérer. Tendre Père, merci pour la puissance de la guérison. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Les dieux de la libération, les dieux de la paix, les dieux de la guérison, les dieux de la justification. Merci pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, éternel notre Dieu. Seigneur, merci.
Je le mets en prière, n'est-ce pas, pour Maman Samba, bien-aimée. Proclamons bien-aimée la délivrance de Maman Samba. Que Dieu touche Maman Samba dans sa santé, au nom de Jésus. Révolons à prier. Tendre Père, transporter Maman Samba devant ton trône de la grâce. Nous prions que tu la touches au nom puissant de Jésus. Touche Maman Samba dans sa santé. Touche l'éternel Dieu Tout-Puissant. Touche Maman Samba au nom puissant de Jésus. Merci de la toucher, Tendre Père, de la tête jusqu'aux pieds. Nous proclamons sa libération. Nous proclamons sa délivrance. Nous la récupérons. Pardon, nous l'arrachons de la maladie, nous l'arrachons de la maladie. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la délivrance, les dieux de la libération, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous brisons la puissance de la mort. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne de la vie de Maman Samba. Tendre Père, merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour le pasteur Paulin, que Dieu le touche, n'est-ce pas. Élevons nos voix pour le pasteur Paulin. Tendre Père, merci. Nous transportons les pasteurs pour le devant ton trône de la grâce. Nous proclamons ta victoire dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, souviens-toi de ton serviteur. Touche le tendre Père dans sa santé, dans son être tout entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue au Seigneur pour Maman Fifi. Que Dieu la touche, lève nos voix. Tendre Père, transporte Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Merci de la toucher, éternel notre Dieu. Touche Maman Fifi de la tête jusqu'aux pieds. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, merci de la toucher, tendre Père. Merci pour ta victoire dans la vie de Maman Fifi. De la tête jusqu'aux pieds, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Allez, lève nos voix, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour notre sœur Claire, que Dieu la touche aussi dans sa santé. Lève nos voix, pour tendre Père, nous transportons la sœur Claire devant ton trône de la grâce. Souviens-toi d'elle, tendre Père, merci de la toucher. Merci, tendre Père, de te glorifier dans sa vie. Au nom de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour et pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom, tendre Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Et les fonds, nous venons prions pour Maman Céline et Maman Élise. Que Dieu rendons grâce au Seigneur pour leur restauration. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous prions pour Maman Élise, Maman Élise et Maman Céline devant ton trône. Nous prions, tendre pour la puissance de la restauration. Merci, tendre Père. Nous te rendons grâce pour leur restauration. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Merci, Saint-Esprit, pour ta libération. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, merci pour la paix dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Pour nos familles, n'est-ce pas, libérées. Saint-Esprit, merci pour ta victoire. Merci pour la restauration des couples. Merci pour la restauration des mariages. Et tout ce qui était mort revient à la vie. Nous proclamons la vie dans le mariage. Nous proclamons la vie dans le mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la vie dans le mariage. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, merci de libérer les couples, de libérer les mariages. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tendre Père, merci. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, que Dieu protège nos familles. Alléluia. Et que Dieu ouvre les portes de mariage. Alléluia, nom puissant, dans nos familles, dans l'Église. Élevons nos voix. Tendre Père, merci pour ta protection sur nos familles. Merci pour l'ouverture des portes, éternel notre Dieu. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois, au nom de Jésus. Merci pour la protection des familles. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, soyez bénis et protégés dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Bienvenue dans le Seigneur, de tout cœur, merci. Soyez bénis en tout cas, à bientôt. On continue encore à prier pour nos familles. Je vous aime beaucoup en tout cas. À très bientôt, merci. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège et qu'il vous fortifie. Et qu'il se souvienne de vous. Je vous bénis, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen.